Bonjour, nous sommes les Ocarina Knights et aujourd'hui on se retrouve à féliciter parce qu'on a complètement oublié de retourner ici. Bah pour tu voulais recevoir des félicitations d'avoir sauvé la ville, n'est-ce pas? C'est vrai. Oh, regardez-le, lui il est incroyable. On se fait un combat pour frimer un peu avec nos Pokémon. C'est vrai, on peut faire ça là? Bah écoute, pourquoi pas. Yes. Hein. Je sens que tu as la... Mais oui, d'accord, ok. Donc ok, le combat comme ça, ça commence direct. Ah non, ok. Dès que je l'ai vu, je savais... Bernardo. Je savais que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Oh, il envoie nos sphères à petit incroyable. Ça y est, ça va être le premier combat de Aine. Ou Aine, je sais pas trop comment ça se prononce en réalité. T'as qu'à dire Aine, hein. C'est Aine, c'est mignon. Aine, c'est... Mais, ah non, mais il est super fort, en fait. J'avoue. Mais t'inquiète, je suis super rapide. Les Pokémon fées, c'est trop bien. En tout cas, c'est trop cool parce que du coup, ils ont fait les intérieurs des bâtiments. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais qui te dit pas que ce sera pas tout le temps le même intérieur? Bah, ça a pas l'air c'est pour vrai. L'instant, ça a pas l'air. Oh, il a encore un Pokémon. Oh là là, je l'ai rendu confus et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est super rapide, un Feuforêt en vrai. Mais Feuforêt, c'est un Pokémon que j'ai toujours voulu jouer. Mais moi à aussi. Fois, il est en fin de partie. Mais moi aussi. Et là, c'est... il l'est pas, donc c'est pour trop ça. Bien. C'est pour ça que je me suis dit, allez, aujourd'hui, Team Fée, on fait. Feuforêt. Non, mais honnêtement. Pourquoi il aurait mérité. Il aurait mérité d'être Spectre Fée, honnêtement. Je sais pas pourquoi, ouais, il l'est pas. Parce que clairement, c'est une Banshee. Carrément, mais oui. Bah non, c'est Banshee Trou, la Banshee. Oh non, t'as empoisonné Galaga, ça se fait pas! Tiens, prends-toi un caillou de l'espace! Mais bon, voilà, c'est... De toute façon, je me disais que si jamais un jour le... un remake de Diamant et Perle sortait, je ferais mon aventure avec Magirev. Ah bah, c'est chose faite. Enfin, Feuforêt, faut que j'arrête de dire Magirev. C'est beau. Tu m'as battu, mais je suis prêt à accélérer la cadence. Tout le monde monte de niveau, c'est beau, c'est magnifique, roue de feu, waouh! Oh la fameuse! On va oublier gros yeux là, regardez-moi ce set incroyable de Vegeta! Bon bah t'as eu les bons yeux. Et j'avoue! Pour repérer le combat, moi le combat je le sens! Le guitariste fou, oui c'est bon là, on peut arrêter là, oui c'est cool, allez bye bye! Merci pour l'argent. J'utiliserai pour acheter des vêtements. Alors, on a quoi de beau ici? Oh, un homme à lunettes. C'est charmant. Tes Pokémon et toi, vous êtes resplendissants. Les stars de demain, c'est vous. Voilà un cadeau pour nos futures vedettes. Oh, oh, merci. Oh, moi aussi, je veux ça. Moi, j'ai le flair pour les objets. Tu Pourquoi j'ai des bulles? Ah, moi, je suis le feu. Toi, non, tu es les bulles. Bah, parce que... Oh. Je viens de comprendre un truc incroyable. Si on échange plein de Pokémon, on a plus de chances de gagner la loterie. Ah bah oui, bah du coup... Salut toi, comment ça va? Je suis producteur de télé, qui ton avis pourrait m'aider à améliorer notre programmation, etc. Tu de participer à notre petit sondage? Oui! Merci, ça ne prendra pas longtemps, t'inquiète pas. Dis-moi, quelle émission aimes-tu regarder? Ah, tout ce reconnexion Wi-Fi, c'est mon truc préféré de la vie. Tu dois vraiment être une experte pour connaître cette phrase. Tu es dresseuse, pas vrai? Dans ce cas, je vais te pistonner pour que tu puisses recevoir des cadeaux mystères. Oh! C'est vrai, on a des cadeaux mystères? Ah ouais. Ah oui, d'accord, comme ça. Via internet. Ah oui. Je veux mon cadeau là. Allez, donnez les cadeaux! Là, un cadeau, quand même! Un petit cadeau, là, comme ça, là, hop! Petit cadeau qui fait plaisir. Moi, je voudrais bien un burger ou des crêpes. Je croyais que tu voulais une nouvelle tenue. Oui, aussi, mais ça... Regarde, je télécharge le cadeau. Ah, oh, œuf de Manafi. Je prends. Ah, vêtement! Ça s'appelle... Regarde, telle une étoile filante, il arrive! Oh, il est beau! C'est magnifique. Oh, il est beau. Ah oui, non, mais l'œuf de Manafi, c'est quelque chose. Et on va prendre les vêtements quand même. Bien sûr. Oh, ouais, c'est sympa quand même comme animation. J'aime bien. Autant, bon, c'est vrai que je suis pas très fan de cadeaux mystères de manière générale. Je trouve que c'est bizarre comme système. Mais bon, c'est joli quand même comme animation. Moi, on pourra pas. Ah, d'accord. Lui, il a du mal. Vous avez reçu Look Platine. Très bien. Il est dans notre équipe, l'œuf. Ah oui. Bon, je vais le mettre dans mon PC pour l'instant, je le ferai éclore un autre jour. On va mettre œuf platine. Ah, on peut pas. Non. Ça y est, on retourne dans la forêt. C'est Désolée bon. Pour l'attente, Sarah. Ah, te revoici, je t'ai attendu comme convenu. Traversons cette forêt ensemble. Moi, je te conseille de battre tous les dresseurs de cette forêt avec Sarah. Ah bah carrément, carrément. Toi, t'es un méchant, non, t'es un gentil. Non, ils sont par deux. Ah, regarde, c'est le rocher de mousse.
Le rocher de mousse. Ah, si seulement il y avait des... Pardon. Je sais pas, ça m'a échappé d'un coup comme ça. Ah, ils sont où les méchants? Ah, là, il faut couper. Oh, on peut pas. Coupe, coupe. Et d'ailleurs, c'est rigolo, on a éclatroc avant coupe. Ah, ils sont ah bah là, il y en a. Ah, là, il y en a. Bonjour. Une petite promenade. Salut, je veux savoir qui est cool, non? Je te le dis quand même, le Pokémon insecte. Ah, désolé, on est pas très sur l'insecte. J'avoue, je sais pas. Mais c'est quand même cool, c'est non, vrai. Mais regardez, regardez. Ah mince, mais oui, mon Pokémon, il est malade. Mais oui, je suis trop bête, en fait. J'allais dire, regardez, on va faire combat duo, ça va être incroyable. Mais en fait, non, je suis avec Sarah, je vais pas en dire. Mince, je sais pas si c'est Mew qui est deuxième ou pas. Bah, en fait, on s'en fiche. Que ce soit Mew ou pas, ça ne change rien. Ah, mais vous êtes pas très fort, en fait. Il était plus fort l'autre gars là. Oh, paralysé là, ça c'est méchant. Oh, le coup critique, bien joué Nova. Oh purée, je fais rien comme dégâts. Oh lolo. Oulala, et vous avez déjà dégommé vous? Oh. Ah, vous faites du dégommage de luxe vous quand même. Hein. Oh, mais il a un deuxième Pokémon. À nous ça promet d'être un combat extrêmement long. Prémi en plus, il évite tout. Moi, je te conseille de gagner. Ah ben, on va faire de notre mieux, hein, ça c'est sûr. Oh non, Charmillon, il a évité le bisou de le Vénard. C'est pas très très gentil. Bonne chance, hein. Bonne chance, Sarah. Oh, regard touchant. Ah là là, ah, le Vénard a perdu son attaque. Vous verrez quand je serai trop fort. Vous verrez. Oh, la confusion. Non mais incroyable. Je triche un peu de fou. Même pas mal. Ça y est, la première attaque à toucher de Levenard. Félicitations. Ah, ça a battu, il a pas chéri sur. Oh non, il m'attaque. Oh non. Bah j'ai même battu Chenipot. Oh non. Oh non, moi j'ai toujours pas battu un seul. Oh là là, il fait mal. Oh non, non c'est bon. Le Vénard, tu soignes s'il te plaît. Non, fais Mimiqueux. Pourquoi Mimiqueux? Non, pas Mimiqueux. J'ai perdu combien de points de vie là? Ah ouais, j'en ai perdu plus que la moitié. Hein. Oh soigner. Galaga, tu es empoisonné, mais t'inquiète pas. On va soigner. Hein. Dans le futur, on va Galaga. Soigner. Dans le futur, je te promets, plus jamais tu ne seras empoisonné. Ah, j'avoue, c'est un con là, pour une team acier de se faire empoisonner, quoi. Franchement. Promis. Attaque pas moi! Ah, oh. Lui, je le tiens, ça va. Bon. Eh, c'est un projet complexe, hein, quand même. Se battre avec un niveau 12, je crois. Forêt, t'es niveau 12? Oui, c'est bien, on a vu ça. Putain, mais même l'euphorie, il fait super mal. En vrai, regardez. Waouh! Moi, je suis niveau 12. Bon, on le tient. Allez, là, tu te donnes des baffes à toi-même. Ah, yes, c'est bien, ça. Oh là là. Allez, ça, Pachirisu, il trépasse. Bien joué. Il va au cimetière, incroyable, bien joué. Bon, bah, adieu. Oh, yes, un petit niveau comme ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est Christian. Ça fait plaisir. Bon, bah, voilà, maintenant, c'est un duel incroyable de 1 versus 1. Enfin, 1 versus 2, je dis n'importe quoi, 1 versus 1. 2 contre 1, vous êtes malhonnête. Bah ouais, mais bon, je vais attaquer sympathiquement, je vais juste faire étonnement. Le lui, il fait juste charge. J'avoue, il a pas fait d'arvenin. Il a pas envie. On est tellement lent, par contre, à cause des trucs. Allez, le niveau 14, là, incroyable. Onde folie, ça sert à rien, merci, au revoir. Tu le regretteras. Non, je regrette. Un petit onde folie avant un choc mental, c'est toujours bien. Non, je rigole. C'est que les tricheurs qui font onde folie. Moi, je triche pas. Je suis une personne honnête, moi. Vous en voulez beaucoup au pauvre le Vénard, quand même. Vous faites que l'attaquer. Vas-y, le Vénard, là. Waouh, c'est bien, la voix enjôleuse, ça marche bien. J'avoue que toi, tu le tues un coup. Y a ah, pas moi, de c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. moi, le combat est un petit peu plus long, un petit peu plus complexe. Il est plus épique, c'est pour ça. Alors, épique, je sais pas. Ça, c'est du combat de qualité. C'est du combat de qualité, on peut Allez, le dire. Allez, hop, ça triche, là, bien joué, le Vénard. Pourquoi t'attaques pas, le Vénard? Mais le Vénard avait envie de faire un bisou à Charmillon, tu peux pas...
C'est terrible quand même. Je sais même pas si tu vas le battre. Non. Je pense pas. Quoique si... Non mais le vénère, j'aimerais bien qu'il me soigne, mais il me soigne pas. Ah, tu l'as eu. Ah, je l'ai battu, hein, je pensais pas, honnêtement. Mais le vénère, il me soigne pas, allez, c'est dommage. Tiens, boum. Putain, mais je fais que gagner un niveau à chaque combat, c'est incroyable. C'est trop bien. Alors le dernier Pokémon, c'est un Armulis. Bah oui, le vénère, désolé. Le vénère, tu me soignes, là. Genre, littéralement. Enfin, de toute façon, tu me soignes après le combat, de toute façon. Ah, bah voilà, qui fait plaisir. Ouais, qui fait plaisir, je suis empoisonné. Ah oui, mais la pauvre, elle est paralysée aussi, ça l'aide pas. Tiens, mais je suis toujours plus rapide malgré tous les... Mais non, mais c'est pas possible, mais vous êtes des limaces incroyables. Quand attends, même. C'est un cocon, tu vois bien qu'il peut pas bouger. Mais non, mais tous en face, là, mais c'est incroyable. Oh là là. J'ai joué Judith. Oh non. Ah, Buldo. Ah oui, on veut Buldo. C'est mieux que pistolet. Ouais, j'avoue, hein, quand même, là, tu passes déjà une attaque à 65 de puissance, c'est pas mal. Putain, mais t'es déjà niveau 19 en fait. Mais toi aussi? Non, je suis niveau 5, 15, 16, je sais pas, 12, 24. Ah, mais Vegeta. Je suis passé. Ouais, mais Vegeta, on connaît son funeste destin. Il va aller affronter Majin Buu bientôt. Je vous préviens. Oh non. Je vous préviens là. Oh le pauvre. Mais bon. On est soigné donc. Ouais, non, voilà, je suis niveau 15. Bon. Très bien. On va garder. On va garder Aene en première, bien sûr. Oh, on va... Musique. Quand un dresseur incroyable. Et son Pokémon s'allient, une étrange puissance se manifeste. Plum, 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 plum. Je vois, l'imminence de ta défaite. Je vois. Oh, la musique incroyable. Les kinésistes, ils plaisantent pas. Incroyable, les kinésistes. Oh non, pas eux. Ah non, pas... Notre unique point faible, bien sûr. Ah, mais j'ai Météor! Oh, mais c'est trop bien ce que t'as, toi. Regarde! Non, mais t'es Météor sérieux? Mais non, mais Jirachi, il est tellement bien! Mais non, je l'ai pas tué en un coup! Mais non, mais c'est pas possible! Mais pas avec étonnement, quoi! Mais non, mais là, c'est la honte quand même! Étonnement, c'est la pire attaque du jeu! Allez, tu fais voix enjôleuse! Non, pas doux baiser! Oh là là! Ça one shot par ici! Qu'est-ce que vous allez dire sur Feu Forêve? Feu Forêve, meilleur Pokémon du jeu! C'est bien physique, mais oui, c'est super nul. Oh là là, la honte quand même, hein. les Dabra là, oh, bah oui, mais tiens, on est pas loin. On est pas loin. Majin Buu, c'est Mew ou c'est Métamorphe? Oh mais j'avoue, c'est totalement Mew en fait. Mais oui. Vegeta et Mew dans la même, Majin Buu dans la même équipe. En vrai, on peut faire une équipe Dragon Ball, ça peut être rigolo. Il y a tous les personnages, c'est que des Lucario. Hein, oui, bah oui, naturellement. Ou des Simiabras à la limite. Hein. Ça marche aussi, Simiabras. Non, on peut avoir Oolong, c'est petit cochon Procabu là. J'ai oublié son nom. C'est Gruicu en français. Bah en vrai, c'est plus Gros-Ray quand même. Mais oui, ouais, c'est plus gros. Mais ray, oui, en plus vrai. Psychique, ouais, un en peu plus, magique. Non, mais non, mais c'est clair, c'est plus gros ray, hein, totalement. Quand je pense que c'est moi qui ai perdu. C'est pas grave. Moi, je vous le dis. Oh, une Pokéball. Ah, on veut ça. Ah, Pokémon Shiny, attention. Oh, magie rêve. Feu. Bah, techniquement, c'est un peu... À double tranchant, mais je pense que farmer des chromatiques avec Sarah, c'est bien parce que t'en as deux en même temps. C'est clair, non, honnêtement. Mais il faut faire attention à ce qu'elle le tue pas. Bah, elle attaque pas tant que ça, je veux dire, mais... Sarah, c'est un Levenard, tu vois, c'est pas la pire Helper. Enfin, après, justement, après, c'est la pire Helper. Au pire, tu peux battre son Levenard pour être sûr. Aussi, tu vois, donc honnêtement. Je me demande ce qu'il y a là-haut. C'est peut-être un moyen de l'esquive, je pense, non? Ouais, bah, on va les battre alors. Nous, on veut le combat. Mon intuition de scout me dit que je viens de repérer un Pokémon rare. Peut-être un Pokémon chromatique, qui sait. Voilà les seigneurs. Ah non, désolé, les essences, c'est Robot petit en avant. Il s'appelle Kerwin, il va gagner. Team le scout. Ah oui, Shunity. Oh, il est mignon, son Levenard, il fait des arcs-en-ciel. Non, pas vœu. Tu peux faire coup de main, mais je pense que coup de main sur le Vénard, c'est pas très intéressant. Allez, ça one-shot ici, là, c'est bon. Oh, ça one-shot ici, là-bas aussi, c'est bon. Bien joué.
Allez, hop, encore un combat, un niveau, c'est incroyable. J'ai genre, y a pas de... Y a plus de respect, là. Y a plus de respect. Je crois, mais c'est vrai que vous êtes pas très très fort. Vous. En revanche... Rien n'arrête les pieds de Knuckles, on le sait. Oh là là, vous envoyez pas Pinox ? Une très très mauvaise idée. Vous le savez. Ah oui, non, mais là... Là... Là, Papinox, on est bah, mais vous dites choc mental. Yes, hein. L'effet, ça craint le poison. Mais l'effet, ça peut aussi apprendre choc mental, faut pas oublier. Oh, il a tenu. Oh, il a tenu, bien joué. Moi, il a pas tenu le coup. Oh, bah, pas bien joué, du coup. Bon, j'imagine que tu vois les 100 d'attaque, ça aide quand même. Non, pas du tout. C'est parce que c'est stabé, voyons. Aussi, c'est vrai. Moi, malheureusement, en tant que Pokémon fée, ça marche pas. Je connais pas tes types, hein. Il est pas type fée forêt. Bien sûr que si, il a du rose en plus. C'est vrai. C'est bon, c'est type fée. On va faire un petit... Tu verras quand j'apprendrai mon attaque fée, je te montre. Oh, le coquin ! Le coquin ! Il a fait abri, là ? Eh oui ! Alors que moi, je voulais l'achever. Ouais, j'avoue, c'est trop bien, toi, t'as une double attaque, là. C'est incroyable. Ah, oh, et puis lui aussi, il faisait voix enjôleuse. Ah, il nous a bien eu. Bon, du coup, c'est le blindalis qui a tout pris. Ça aide pas ses amis. Ouais, moi, ça va être trop long de l'autre côté, là. Il en a deux, en fait. Oui, c'est vrai. En vrai, je leur fais pas mal, quand même. Malgré tout. Ah, il se blesse dans sa conclusion. Ah, dommage. Allez, ça va, t'as presque battu le blindalis. Mais tu préfères Chenity. Bah, je me dis que peut-être qu'elle fera voix enjôleuse, tu vois. c'est vrai. Du coup... On peut compter sur ça. Voilà, c'est moi, je me disais, y a pas besoin. Alors que voix enjôleuse, je suis pas sûr que ça allait tuer le Chenity. Oh, c'est Mélocric, le grand Mélocric du monde. Oh, fontaine de vie. Comme ça, je vois pas Mélocric tout de suite, moi. Waouh, le cri remasterisé, qu'est-ce que c'est beau. Bon, bien sûr, le Vénard n'attaque pas. Hein. Ah, mais non, moi non plus. Hein. Il fait doux baiser, mais il rate à chaque fois. Il se prend des taillades de la mort, par contre. Tu sais, ce qui est triste avec Sarah, c'est qu'elle ne gagne pas d'expérience. Mais oui, c'est vrai, la pauvre. Elle a une copie pirate du jeu, c'est sûr. Ah, Sarah, tu serais donc une tricheuse. Non, Sarah, elle est honnête. On lui a vendu une copie pirate. Oh, la pauvre, c'est encore pire. Oh. Ouh. Oh, bah eux, ils en perdent leur nom. Bon, après, hein. Après, elle a découvert qu'elle avait une copie pirate, du coup, elle s'est générée masse de Pokémon. Oh, une Pokéball. Du coup, bon. Non. Elle a compris que, bon, ok. De toute façon... Oh, rose bouton. J'adore combattre avec toi. Si j'arrive à prévoir tes attaques, nous serions invincibles. Comment ça, si t'arrives à prévoir mes attaques, c'est pas comme si j'en faisais qu'une. C'est pas difficile. Oh, un panneau. Oh, il y a un méchant là, dans les forêts et les grottes. Il y a beaucoup d'objets au sol qui ne sont pas visibles à cause de l'obscurité. Prenez le temps de vous lécher. Oh, il y a Cornèbre. Wow. C'est trop cool. Je vais faire un monotype ténèbres. Si tu... Ah, mais oui. Allez, je remballe tout. Salut. Monotype ténèbres, c'est bon. Hein. Alors, comme ça, il faut monter. Cette forêt a quelque chose de mystérieux. Elle me submerge d'énergie. Je ressens une étrange présence, c'est toi. Tu es cette présence. On se retourne même pas pour lui parler. Ah oui, aucun respect hein, pour lui, par contre. Andrea. Ah non, c'est pas Andrea, c'est... Andrea. On n'a aucun respect pour Mehdi. Genre, rien, oui, à... Oui, oui. Rien à faire, Mehdi. Oh ouais, tu nous parles, c'est très bien. Parle à mes cheveux. Charles avait fait pareil au scout et à... Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi là, on le remarque que là. Parce qu'on était dans un autre angle. Oh, le coup de pied retourné. Ouh. Heureusement que ah oui, oui, fais voix enjôleuse là, tu enfin pour t'aider. Purée, mais t'as rien fait comme dégâts. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible, c'est affreux. Le Vénard se prend masse de coups, mais t'inquiète, je te supporte. Oh non, ça... bah oui, ça fait des détections les Medetica, bien sûr. Ah, mais bien sûr, mais moi il est mort. Pas de problème. Oh, le coup critique.
prend le petit coquac, voilà, il prend tout. Et c'est tout le temps comme ça. Il y en a un qui s'abrite et à la fin, bah. Ah, mais c'est dangereux de faire abri en combat du jeu. Parce qu'après, tu peux te retrouver sans Pokémon et puis. Enfin, loot. Et voilà, là, oh, exactement. Il m'a eu ! Exactement, la psycho coque, il est tout seul maintenant. Il est rigolo le bruit de la confusion. Oh, puis là, tu les as battus en fait, je t'attendais un peu. Hein. Histoire qu'on profite un peu, parce que écoute, honnêtement, les modèles. Les modèles en fait. 3D des personnages, ils sont sympas. Hein, je suis d'accord, hein, j'aime dis, beaucoup. Les personnages, ils sont sympas, cool, mignons, tout ça, j'avais... tout ce que tu veux, et je me dis, ah, c'est sympa quand même. J'avais pas d'attache pour les dresseurs de Sinnoh, mais là, je trouve qu'ils sont tous cool. Regarde, elle est trop mignonne, la Kinesis. Il est trop cool. Il est sympa, franchement. Non, franchement, non, très, tout le monde bien. Est. Franchement, voilà, beau, beau travail sur les traîneurs. Les traîneurs, les classes de dresseurs, voilà. Bon, c'était dur de trouver le terme français, mais voilà. Même le guitariste qu'on a affronté tout à l'heure, il était sympa, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et puis il y a Samus Aran dans le jeu, donc c'est forcément. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on l'a affronté en off. T'es parti à gauche ou à droite? À droite, à droite. Oh, double cornèbre. N'oublie pas, dans Pokémon Snap, c'est une mission. Faut leur jeter une pomme. J'ai pas de pomme, désolé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, Pokéball. Oh, un pot de miel par terre comme ça. Attends, moi je passe pas dans l'herbe. Est-ce qu'il y a des dresseurs? Non. Ah, on approche de la fin. Ouais, ouais, là on est à la fin. Ok, plus de dresseurs. Oh, voilà la sortie, je suis soulagée, nous avons réussi. Je n'aurais jamais pu traverser cette forêt seule. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà fini avec ça. Merci Sarah. J'ai bien aimé le passage, je me balade avec Sarah. Moi aussi j'aime bien. Pourquoi est-ce que cet endroit à chaque fois il m'est familier comme ça là? Je sais pas. Je sais pas, mais il y a plein de baies. Peut-être parce que je plantais mes baies, j'imagine. Ouais, surtout s'il y a 4 plants, hein, c'est pas mal. Moi j'aimerais bien planter des baies mépo, donnez-moi des baies mépo. Ah toi tes fameuses baies mépo. Ah moi il me faut mon stock de baies mépo. C'est ma baie préférée. Bon, je voulais pas arroser le sol, mais... Eh, j'avoue, j'arrose rien, moi. J'ai l'impression que le sol, il est déjà humide, en fait. Attends, je vais arroser, on va voir. Je vois pas de différence de couleur, parce que j'en ai déjà... arrosé un. Ouais. Il y a pas de différence de couleur. C'est peut-être plus tard, peut-être quand on les plante, c'est pas tout de suite. Ça veut rien dire, ma phrase, mais j'espère que tu m'as compris. C'est peut-être plus tard, c'est pas tout de suite. Non! Ah non, c'est bon, ok. Voilà. Bon, les pêcheurs, vous êtes bien sympathiques, mais... Oh, une Pokéball! Bienvenue à Vestigion! Oh, une potion! Oh, pas très super de faire du vélo ici. Ah, on va l'avoir bientôt, le vélo, ne t'inquiète pas. Bon, c'est la ville tant attendue, Vestigion. Oh, il y a un jumeau. Et toi, ah. Ouais, la dresseuse. Ouais, t'as l'air coriace, non, oublie ça, je volerai pas tes... Enfin, tu peux garder tes Pokémon, allez, on circule. Attends, viens dans cette maison. On va voir si on peut lui parler. Mais je suis sûr qu'elle va nous dire « Reviens quand tu auras le badge. Oh, tu m'as reconnu, pas vrai? Oui, je suis bien le visionnaire qui a pris l'initiative de creuser les grands souterrains. Tu peux m'appeler l'homme des souterrains. C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Je vais te faire un cadeau. Tiens, fais-moi plaisir, utilise-le à bon escient. L'explorateur. Tu sais que ce bonhomme, à chaque fois, je pense qu'il se trouve dans la vie de Charbourg. Bah, ce serait logique, mais non. Brancher l'exploratrice dans... L'exploratrice, bien sûr. Voilà. Suis-moi, je ferai de toi une star de la spéléologie. Ah, on n'a pas le choix, genre... Viens. Bon, je vais te confier quelques missions. Tout d'abord, va dans le grand souterrain. Ce n'est pas bien compliqué, il suffit d'utiliser l'exploratrice. Mais attention, elle ne fonctionne ni en intérieur ni dans les grottes. Allez, mais je dois t'en servir. Ah oui, d'accord, mais en fait, tu me mets la main dans ma poche et puis tu... Enfin, quand même, là, je... Quand même, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour, Régis. Mais non, moi, c'est Pierrick. Oui, Régis. C'est bien la voici, non? Bienvenue dans les grands souterrains de Sinnoh. C'est un gigantesque réseau de galeries qui serpente sous Sinnoh. Quoi? Tu sais savoir ce que je fais dans tel endroit? Bah, je suis quand même mineur à la base. Imagine un peu. On peut déterrer des trésors, se construire une base secrète. Si tu veux en savoir plus, tu devrais parler à l'homme des souterrains. Bah, oui, bon, enfin, c'est lui qui m'a envoyé là, en fait. Il a fouillé dans mon sac. Et après, il appuie sur les boutons. Au fait, pour retourner à la surface, quand tu es dans les grands souterrains, pense à appuyer sur Y. Eh oui, tu m'as bien entendu. Y. Bon, je dois y aller. À présent, maintenant. À la prochaine. Est-ce qu'on va se voir? Peut-être pas tout de suite. Est-ce qu'il y a un truc? Non.
Oh, je peux. T'appuies sur quel bouton? Sur R, ça me fait sonar, sonar. Ah là, il y a plus de sonar. Oh, regardez, oh. C'est que notre. Ouais, oh, oh, calme-vous, quand même. Oh, moi, c'est un tritosaure. Oh, oh, quand même. Oh. Non, je l'ai attaqué, je voulais pas. Oh, il y a excellent, lang, lang. Il est niveau combien? Et niveau nul, j'espère. Oh, il y a Mustebué. Mustebué. Non, mais j'allais dire Mustebué. Je tiens très, très, très. Il est niveau nul. Très. Non, mais arrêtez, je dois parler à Mustebué là. Je dois lui avouer mes sentiments. Pourquoi tu veux avouer? Mais non, mais je veux lui parler. Oh, ils sont bloqués, regardez-les, les pauvres. Je suis désolé, Mustebué, pour toutes ces années où je t'ai dit, ouais, je t'aime pas, Mustebué. En réalité, t'es sympa. Voilà. Oh. Voilà. Il faut savoir reconnaître ses torts quand on a tort. Et moi, bah, j'ai pas peur de le dire. J'essaye de voir. Il suffit. Mais t'es parti où? Parce que j'ai l'impression que tu t'es téléporté. Non, je suis là. Ok. Ah, y a un truc là. Attends, ils disent d'appuyer. Oh, j'ai récupéré un truc. Ah ouais, mais. Oh, ah, la carte. Le mur est un peu bombé. Ah. C'est bombé. Moi, je peux pas. Oh. Oh, je l'ai récupéré. Il y a un message, j'ai mis le marteau et une pioche. Pour que tu puisses exhumer les trésors d'Esper. Grâce à ces outils, tu pourras creuser les murs partout avant que le mur ne s'affaisse. Tu peux le faire. Du coup, il faut que je me dépêche là. Non. En fait, là, tu vas creuser. Attends, là, il faut que je En fait, tu vas avoir une fissure qui apparaîtra en haut. Ah, et ouais. Quand elle sera là à fond, bah, c'est que c'est fini. Ah non. Oui, il y a trois objets, il faut que je les trouve. Oh, une fille. Oh. Oh, c'est quoi ça? Attends. Ah, ça veut dire que tu as trouvé un objet, il faut que tu creuses autour. Alors, normalement, tu peux creuser un peu plus autour encore. Oui, voilà. Allez. Je sais pas ce qu'on va avoir là, mais ça va être incroyable. Bon, il faudrait qu'on casse tout ça. Hop. Yes, voilà. On a trouvé ça. Incroyable. Bon, je suis pas sûr que j'arrive. Ah ouais, non, d'accord, ça. Oh, ok, donc. On peut partir de là. Ah. C'est pas comme ça. Puis même, ça ressemble à rien ce truc. Inadmissible. Ah mince, en fait, je pensais que je creusais, mais en fait. Ah bah si, c'est bon, il y a un truc là. Oh là là, mon mur il va se casser. Ah non, c'est pas un objet. C'est pas un objet ça. Mais oui. Je suis en train de déterrer pour rien là. Oh là 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 là. Bon, ok, allez hop, j'ai cassé le mur. Bravo. Un coffre élégant. Ah, c'est un coffre. Oh, moi je trouve un truc de ténèbres. Oh, je trouve un coffre élégant. Ben voilà, la statue de Shinichi, évidemment. Très mignon. C'est plaisant. Ok. Attendez, y'en a. Non, je t'ai. Ah, mais c'est quoi ça? C'était un topiqueur, je pense. Ok. Et donc, du coup, moi j'ai trouvé un coffre des ténèbres. D'accord. Un coffre des ténèbres. C'est cornèbre. Et du coup, là, cette fille, qu'est-ce que c'est? Bonjour, c'est moi Magali. Les Pokémon que je viens d'attraper est super rare, je n'en avais jamais vu comme ça avant. D'accord, bah très bien Magali. Waouh. Là, il y a des objets d'abord. Deux et demi. Quatre objets, moi. Waouh, eh, finalement. Une statue de gonflette. Bien sûr. Non, mais ça y est, on est parti. Moi, je suis parti très. Ah, bah t'es pas loin de là où je suis en fait, ça va. Alors. Grotte des eaux souterraines. Mais c'est encore. Oh, un tarsal! Waouh, cette idée! Moi j'ai pas dit. Ah, il me poursuit! Mais du coup, t'es dans la grotte des eaux souterraines? Bah ouais, mais je pense que du coup, si tu rentres et tu sors, ça va peut-être te faire apparaître un tarsal. Ou peut-être le faire jusqu'à ce qu'il apparaisse. Moi je vais continuer. Mince! Et mon ennemi. Je vais continuer de me promener. Oh, moi, c'est joli, hein, la grotte des eaux souterraines. Je ne suis pas intéressé par la grotte des eaux souterraines, voyez-vous. Oui, je ne comprends pas, c'est très bien. Tarsal, c'est le j'ai envie de creuser quand même. Meilleur Pokémon du jeu. Ah, oui, mais moi, je cherche autre chose, voyez-vous. Non, cette fois, on se fait pas avoir. Allez. Oh. Alors, c'est quoi, là? Oh, la grotte spacieuse. Alors, est-ce qu'il y a des trucs pour moi, là? Ah! Ça, c'est le Pokémon que j'hésite à capturer maintenant ou pas. Mais vu qu'il est devant moi... Un trio piqueur. Un magnéti sauvage apparaît.
Moi je dis, faut pas avoir peur de Manity. Ah non, Manity il est fort. Oh, je sais même pas si j'ai des Pokéballs moi en fait. En fait, moi le souci aussi Manity, c'est que j'aimerais bien le bon Manity. Oh, un coffret fée! Mélofée! Mais bien sûr! La seule, l'unique. Allez, il faut paralyser! Allez Galaga! On se faire un petit... Magnéti! Mais m'attaque pas Magnéti! Mais c'est bien Magnéti, c'est toi qui me l'as dit. Ah oui, c'est bien Magnéti, mais moi j'ai pas besoin de Magnéti. Oh, j'ai même pas racheté de Pokéball. C'est impossible de paralyser ce Magnéti. Bah, parce que c'est un type électrique. Oui, du coup, j'allais dire. C'est maintenant que je réalise! Tu fais quoi? Tu fais plaquage? Non, j'ai fait Dracossou. Soudain, vaut mieux la réalisation. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Non, mais à l'époque, ça marchait. Oh, une Gerudo. Oh, il est trop mignon. Oui, je veux lui donner un nom. Ça y est, t'as enfin un vrai type acier. Bien c'est pas vrai, Manaphy. Manaphy. Oui, Manaphy, bien sûr, le fameux Manaphy. Manaphy. Non. Je veux voir mon Magnéti avant. Est-ce qu'il est bien fermeté? Il est pressé. Il a fermeté. Oh non, on va se faire. Oh là là, la grosse gemme verte là. Ah non, je l'ai pas eu. Ah si, c'est bon. Machirep, 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 Machirep. Oui. Yeah. Bien joué. Oh, un coffret luxueux. Waouh, stylé. Qu'est-ce que t'as eu? Maconure brillant apparaît. Maintenant, je pourrais trouver plus de Maconure chromatique. J'en ai aucune idée, hein, je ne sais rien, je découvre. Un montagnard, tu n'aurais pas des petites fers? Ah voilà. Et là du coup. Ah non, on peut pas y aller. Il donne quoi? Des sphères prismes, des socles. Ah il donne des CT. Ah. Des gommages, cage éclair, blablabla. Du coup, faut vraiment qu'on passe notre vie là-dedans quoi maintenant. Oh. Oh, oh, l'objet le plus important du jeu. Ah oui. Ah carrément lui. Bien, parce que moi je regarde jamais comme. Waouh. Est-ce que du coup, ah, c'est si encore je... une fée, ok. Est-ce que si je sors et je rentre, ça change les Pokémon? Ouais, ouais, je crois. Ah oui, il y a Roselia. Comment il court, Roselia, c'est incroyable. Oh, il y a un sécateur. Wouah, stylé. Zenda. Il est trop stylé, un sécateur. Le meilleur. Oh, trop stylé aussi. Salut. On l'avait call. Oh, tu le prends pas. Oh déçu. Non, je le prends pas. Déçu. Un sécateur, il est trop stylé pourtant. Ah, oh, tu le tombes. Mais non, mais laissez-moi tranquille. Ah, c'est un Absol trop mignon. Ah. Ah bah Absol trop mignon, il est pas d'accord. Ah, il est pas d'accord. Il va tu m'as dit quoi là? Tu m'as dit quoi? Moi mignon? Non, non, moi ténèbre. Oh, c'est écrit sur mon front. Oh, calmez-vous quand même. Bon, moi, je pourrais pas croiser un NPC aussi. Non, jamais. Je me sens seul. Terriblement seul. Pour moi, je veux dire... Oh, il y a une Pokéball. Onde de choc. Oh. Zenta. Faut appuyer sur Y pour entrer. Ben, je vais retourner à la surface et je vais y retourner. Comment je vais savoir s'il est essaim ou technicien? Tu peux pas savoir, hein, par contre. Ah mince, il veut me parler. Bah alors, t'as réussi à descendre dans le grand souterrain, beau travail, voici ta récompense. Ah bah. Mais quoi? Mais attends, comment ça se fait que t'es remonté? Mais je voulais repartir parce que il n'y a rien de plus amusant, oui. Si tu veux savoir plus, n'hésite pas à venir me voir, ouais, c'est cool. Moi je vais y retourner quand même. Waouh. Waouh. Oh, c'est incroyable, magnifique. Incroyable, incroyable. Quel endroit incroyable. Regarde, je fais un vœu pour oh, toi. Regarde, y a oh, regarde, feu forêt, voilà, feu forêt dans les cristaux, c'est bien une fée. Hein. Fantominus bon, a... aussi. Oui, absolument. Oh non, mais là, j'en ai marre. Tous les Pokémon que je voulais en garçon, c'est des femelles. Alors lui, je le laisse pas passer. Bon, c'est qui le Pokémon du jour, là? Togepi. Ah, Togepi. Bon, c'est pas grave, on prend Togepi. Et tu sauvegardes pas. Mais Togepi, ça va, ça fuit pas, un Togepi. Quoique, en fait... Mais il a agitation versus sérénité. C'est pas grave, on le capture, on verra. Après... C'est une fille. Évidemment, 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 évidemment. Oh oui, d'accord, comme ça, là. Je fasse quoi d'autre? Ah oui, non, mais t'as pas peur. C'est comme ça qu'on capture un Togepi. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur
vraiment 54. Ah mais pour ma défense, t'avais déjà Magnéti, tu vois. C'est vrai. Alors instant de vérité. Évidemment. Il a pic. Oui, c'est le Pokémon Ball Pic. Mais là, je pense que c'est bon. Mais par contre, s'il a essaim depuis tout ce temps, j'avoue, je serais dégoûté. Ah bah, tu m'étonnes, là, mais... Oh. Oui. Ça y est. Après bravo. Des heures acharnées. Merci Galaga, parce que finalement, c'est Galaga qui a carry. Oh là là, j'espère que c'est le bon. C'est le bon. Et par contre, ils sont tous pressés, mes Pokémon, c'est fou. Bah, ils ont pas le temps. Je croyais qu'ils étaient tous bizarres là finalement. Non, ils sont tous pressés, regarde. Pressés. Pourtant, j'ai pas synchro. Oh là là, ça fait plaisir. Allez, je vais remonter moi aussi, comme ça je vais te croiser. Je vais remonter aussi. Là. C'est la déchéance de toute façon. Là. Ça ne marche pas, nous sommes déçus, nous sommes désappointés. Ah oui, peut-être... Là je peux construire une foreuse comme ça là, genre. Moi, je vais construire ma base secrète, là, je vais poser toutes mes statues de fées. Ils vont rien comprendre, les amis, là. Ah, oh, du coup, je t'ai manqué. C'est pas grave, j'arrive tout de suite. Je place juste toutes mes statues de fées. Alors, voilà, une fée. Voilà, là, c'est bon. Allez, ensuite, on veut une fée, voilà. Et ensuite, on veut une autre fée, voilà, c'est bon. Let's go. C'est écrit effet des statues. Augmente légèrement. Ah, voilà, parfait. Ah, je vois, c'est vraiment ça, tu invoques des fées. Ah, bonjour. Oh, mais j'ai cru que j'étais quelqu'un d'autre, mais... Ah, je peux pas te parler. Attends, bouge pas. Non, on peut pas se parler. On peut juste se voir. Pas grave, je vais te suivre. Je pars en quête de fées avec toi. Oh, bah, bon. Attends, c'est... Bah. Mais c'est pas ta base, ça, quand même. Ah, non. C'est la base d'amis. Mais vous mais... moquez de qui? Elle est là, ma base. Non, mais moi, je rentre dans ta base, par ici. Il se passe quoi si je fais ça? Ah, je peux. Ah ouais, non, mais d'accord, je peux. Non, j'ai pas posé. Mais j'ai posé ma base ici pour rigoler, je veux pas qu'elle reste ici, hein. Bah, elle restera tant que tu en feras pas une autre. Mais je peux pas en faire une autre. Ah, il faut activer l'effet. Ah mince. Ah bah attends, je vais l'activer du coup, j'avais pas. J'invoque l'effet. Mais oui, je veux entrer, je veux activer l'effet, moi. Bon, je. M'avais pas prévenu ça. Placer une statue. Ah non, c'est moi qui l'active. Ah j'espère que c'est... Bon, merci de l'avoir activé, du coup. Mais c'est peut-être pas pour toi, c'est peut-être que pour moi. Oh, bah, c'est Papy. Ah mais non, c'est toi. Non. Bah écoutez, c'était blanc, moi. Ah bien, voilà, on a fait toutes nos captures. Ça y est, tu as eu ton Tarsal et ton Togepi. Oui, et moi, c'était difficile, hein, quand même. J'ai trouvé mon Magnéti et mon insécateur et j'ai même trouvé un pot métal. Ouais, donc bravo pour toi, bien joué, parce que franchement, t'as été beaucoup plus rapide que moi à trouver un Pokémon à 5% de chance que moi, un Pokémon à 25%. Hein. Bravo, enfin, l'objet à 5% et moi à 25%, hein, par rapport à ce que je voulais, enfin voilà. Il faut encore que j'en trouve un deuxième. Bon, il y a des endroits plus faciles que le souterrain. Faites pas comme moi, cherchez pas des pots métal dans le souterrain, c'est la pire idée. Non, mais c'est pour m'attendre, c'est gentil. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir tout le monde.